أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Frères en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il est fin créé insan, l'ikon ban faiblesse ki insan ina. Et insan, depuis Adam alayhi salam, d'ailleurs Adam alayhi salam lui-même lui, les fins désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une petite chose qui est là dans nature insan. Parce qu'Allah ta'ala dit wa khuliqal insanu da'ifa. Et insan finit à être créé faible. Et en plus de ça, Shaitan, il finit faire une promesse avec Allah qu'il y précise le chemin droit pour essayer également du monde. Shaitan, son objectif principal, faire insan, faire shirk ou bien faire kufr, pour faire insan rester dans l'enfer éternellement. S'il n'est pas capable, il a guerre pour faire insan, faire un grand péché. Sinon, un petit péché. Donc, il peut mettre une tentation, il peut jouer avec un désir qui insan est là, il peut servir tout un moyen. Pour faire insan désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire insan commettre péché. Et n'importe qui s'en a parmi nous là, frère en l'islam, nous tout qui là, nous ban péché, nous ban qui commet péché. Pas de doute là-dedans. Depuis qu'Allah ta'ala fait nous vivre la terre, depuis qu'il nous fait bien l'âge de la puberté. Combien péché nous fin faire avec nos yeux? Combien péché nous fin faire avec nos oreilles, avec nous la bouche, avec nous la main? C'est Allah subhanahu wa ta'ala connu. Et là, un péché qui est capable de nous oublier. Nous fin faire dans le passé, nous finis oublier, ce pas nous fin désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous reconnaître, nous insan, nous finissons de désobéir à Allah. Dans le hadith, mais il y a un savant, je veux dire que le hadith là, il fait, mais seulement sous signification, il est vrai. Quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ibn Adam khatta, kullu ibn Adam khatta. Tous les enfants de Adam alayhi salam, tous les êtres humains, je te fais un erreur. Je te fais un erreur. Mais seulement, meilleur parmi qui fait ban erreur, c'est ban qui fait taouba. Ban qui dit mal à la pardon. Ban qui regrette, ban qui s'agrin. Quand je ne finis faire erreur, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. A taouba, le pardon, c'est un demande plus grand ibadat qui est un serviteur capable de faire. Et certainement Adam concernant Taouba, concernant pardon. Premièrement, il ne faudrait pas nous tarder pour demander à Allah pardon. Et c'est une demande stratégique qui Shaitan servit. Nous ne pouvons pas commettre un péché à ce terre-là. Nous ne pouvons pas commettre un péché à ce terre-là. Nous devons demander à Allah pardon tout de suite. Il n'est pas nécessaire qu'il nous allons en namaz ou bien nous assise dans la direction qibla, nous lève la main. Ça, c'est meilleur. Mais seulement, tout de suite, nous demandons Allah Ta'ala pardon. Tout de suite. Shaitan, cette stratégie qui lui servit, il fait à nous retard sa taouba là. Tu connais l'italien, tu parles de namaz maghrib. Mais dans namaz, dans ce sens-là, parce qu'il y a l'appli content, nous demandons Allah pardon. Tu finis faire namaz. Faraz, tu fais 10 rakat na fil, tu dis man Allah pardon, tu fais namaz taouba. L'état arrive, maghrib, je vais oublier. Quand vous parlez de ça, quand vous parlez de l'olili, vous parlez de l'omi après Isha.
demain vous levez pour série là. Dans sa troisième tiers la nuit là, elle est temps qu'on Allah descende dans le ciel qui plie près avec la terre. Bon Dieu, man Allah, pardon là-bas. M'oublier. Satan, fais-moi rester pour Staouba, jusqu'à ce qu'il m'a la coulma ou qu'il vienne devant moi. Jusqu'à ce qu'il m'a la coulma ou qu'il vienne devant moi, trop tard. Et là, mal péché qui m'a fait, m'a fini oublier. Comment vous m'avez ça? يوم يتذكر الانسان ما سعى ذو قيامه قال لا بوفير ساك ديمون رابل بالاكشن كي فين فير لو لا تي انا بيسي مون فير مون فيني بليي مو مون فيني بليي سو مون فيتل او بيان تيل او بيان تيل بيشي ذو قيامه لي لا مال مازني كي تسا فريم مون فيتل بيشي مون فيتل بيشي سي سولمون مون تي فيني دي مال الله باردون مو دونك بريميرمون faudrait pas qu'il nous tende pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Tout de suite, quand nous commettons péché, nous avons besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Deuxièmement, péché, frère en islam, est comme si dirait un poison dans lesquels un serviteur. Quand nous commettons péché, qu'il soit un petit péché ou bien un grand péché, est comme si dirait mettre une dose poison dans sur l'équerre. Soit il prend l'antidote tout de suite, il tient poison là, ou bien il laisse poison là, travaille dans sur l'équerre. Il commet un deuxième péché, un deuxième tasse noire, un troisième tasse noire, jusqu'à ce qu'il équerre là, il prend les rues, il arrête de fonctionner comme l'équerre. Fonctionner comme l'équerre veut dire, il arrête de penser Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a l'ayat Quran, peine à l'effet. Dans sa léquerre qui finit par les rues là. Donc, péché, c'est comme dire un poison qui nous finit mettre dans nos léquerres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyatuhu, fa dhalikumul mu'min. C'est lui qui, quand il fait une bonne action, il est content, il gagne satisfaction. Il n'est pas content parce qu'il dit mon pour dire hé, hey, te trouver un tel, il fait telle action. Non. Il y a une satisfaction personnelle dans laquelle il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est content aussi quand il connaît, il arrive à namaz, il va faire namaz, il ne peut pas prendre namaz comme il dit fort, il va faire namaz. Non. Il est content, il peut faire salat. Ramadan peut rentrer, il est content, Ramadan peut rentrer parce qu'il a l'occasion de faire ibadat encore. Sa qualité là, c'est lui qui quand il fait une bonne action, il est content, il gagne satisfaction. Et quand il désobéit à Allah, sa péché là, sa désobéissance là, fait lui dit tout. Il s'agrin. Il regrette. C'est ce l'envie, ce désir qui fait lui désobéir à Allah. Il trouve une madame indécente. Elle a quelque chose dans lui qui pousse lui, il guette sa madame là. C'est bon, après qu'il arrive, il s'agrève. Il entend la musique, ce désir dans lui, il fait et continue à écouter la musique là. Mais c'est bon, après qu'il arrive, il s'agrève, il regrette. Et qui fait mon faire ça là? On a désobéi à Allah. Il s'agrève. Sa péché là fait l'idito. Il a envie de fumer une cigarette quand il finit de fumer, il s'agrève. Moi, tu me fais fumer de rôle. Il regrette. Ça, c'est un bon. Ça, c'est un moukmin. Un dimoun qui se péché fait aller dit tout, il s'agrin, il regrette. Et il compte quand il fait une bonne action, ça, c'est un moukmin. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous arrive à un niveau qui nous peut désobéir à Allah sans que sa désobéissance-là interpelle nous. Nous pouvons fumer, on a une affaire normale. Une affaire normale. Je vais allumer ma cigarette, je vais fumer, je ne vais pas sentir aucun regret, je ne vais pas sentir aucun chagrin. Je vais faire quelque chose qui est haram, normal. Je ne vais pas sentir qu'il m'a obligé de dire la pardon. Et je vais faire des réels là. Non, normal. Je peux guetter, je peux étendre, je peux écouter, je peux faire quelque chose qui est haram. Sans qu'il, comment dire, ça lui affecte moi. Quand on arrive dans ce niveau-là, je connais qui sa poison là, il finit travail dans mon équerre puis commence les rues, iman là, puis commence, vite bas. Iman là, puis commence, vite bas.
Donc, il ne faudrait pas que nous laissions arriver dans cette situation-là. Et une de bonne façon qu'il nous propre arrive dans cette situation-là, quand nous commettons un péché, tout de suite, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Numéro 3. Quand Allah subhanahu wa ta'ala se grandit et quantité qu'il y compte en nous. Nous tous nous lions dans la masse, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Qui veut dire ça, Ar-Rahman Ar-Rahim? Si nous prenons le Coran, traduction, nous guettons Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. C'est lui qui a beaucoup pitié. Qui veut dire ça, Allah, il a beaucoup pitié? Ar-Rahman, c'est un nom Allah qui peut montrer pitié qui Allah Ta'ala est là pour tout le monde, musulman et non-musulman. Obéissant et désobéissant. Tout le monde. Du monde qui peut obéir à Allah, il y a une chose qui est bizarre pour vivre la terre. Du monde qui peut désobéir à Allah, lui aussi, il y a une chose qui est bizarre pour vivre la terre. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, pas de grandir péché. Pas dire, c'est un petit péché ça. Non, pas de grandir péché. Get grandé, c'est lui qui nous peut désobéir. Grandé Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui nous robe, lui peut donner nous tout ce qui nous besoin. Tout ce qui nous bizarre, lui donne nous pour nous vivre dans la terre. Qui garantit tes faveurs, lui fin verser l'eau nous. Et dans l'autre point, l'imam lui dit, tu as envie de désobéir à Allah? Allez dans une place qui a la panne créée, une place qui a la pape trouve toi, une place qui a la pape étant toi, là-bas te désobéir Allah. Il n'a pas existé sa place. Deuxième, Ar-Rahim. Ar-Rahim. C'est un nom d'Allah qui veut montrer pitié qui Allah Ta'ala est là pour se serviter. Frère l'islam, toujours Shaytan, il n'est pas pour content quand il trouve un serviteur pour rapprocher avec Allah. Alors, une de bonnes stratégies qui Shaytan servit est à sa quantité PC qui te fait là, tu quoi Allah vous pardonne toi. Arrête d'embêter toi même. Qui ne te l'a fait namaz? Mais fais que là, tu fais tel péché. Qui n'a pas ce qu'il fait? Tu fais hypocrite envers toi? Allah subhanahu wa ta'ala li ar-Rahim. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Allah Ta'ala peut dire. Dis à ceux, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis à banna, ô mouban serviteur, Allah Ta'ala peut appeler, peut adresser une catégorie du monde, et Allah Ta'ala peut adresser avec eux pour dire, ô mouban serviteur, Allah peut attacher eux avec lui. Ô mouban serviteur. Qui banne ça? Qui banne serviteur qui Allah peut dire, ô mouban serviteur? Qui banne? Ban qui fait tahajjud tous les jours. Ban qui garde rosa sunnat nafil sorak un jour dans sa ban rosa là. Ban qui pas fait péché. Non. Non. Ça va là définitivement. Je te manzi là, je daraja contre Allah, les plus hautes, les plus élevés. Mais Allah puis adresse à ban, alladhina asrafu ala anfusihim. Ban qui fait faire eux même. Beaucoup dito. Ban qui fait commettre beaucoup péché. Allah vient adresse avec nous. Allah vient adresse avec nous, frère en Islam, cher en Islam. Nous qui nous désobéissons à lui la nuit, les jours. Nous qui nous servons une faveur qui vient de nous pour faire lui en colère. Allah vient adresse avec nous. Allah peut dire, ô mon serviteur, la taqnatu min rahmatillah. N'a pas désespéré avec Allah ce pitié. N'a pas désespéré avec Allah ce pitié. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah Ta'ala pardonne tout péché. Innahu huwa al-ghafuru rahim. Certainement, Allah li ghafur, li un grand pardonneur et li rahim, il a beaucoup pitié. Normal, il faudrait qu'il y ait un serviteur. Il demande Allah pardon. Et ça, nous vient avec ça, notre maman. Ar-Rahim, qui veut dire ça, Ar-Rahim? Ar-Rahim, c'est un nom d'Allah qui peut montrer pitié qui Allah Ta'ala est là pour mal, croyant. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître un hadith Qudsi
qui définit divise rahma pitié, pitié Allah fin divise li en sang. En là-dedans, dans sa sang là, en li fin descend l'eau la terre et li fin portasi avec tout bonne créature. En pitié. Tout insan qui fin exister l'eau la terre depuis Adam alayhi salam et qui peut exister jusqu'à dernier du monde jour kiyama, li y a un bout dans sa en pitié là. Tout insan. Tous animaux, il y a un bout dans sa pitié là. Tout djinn, il y a un bout dans sa pitié là. Un pitié dans sa sang là, qui a l'importe à ça avec tout sa djinn là. Sa même pitié qui nous trouve un maman avec deux enfants, même un animaux, il y a une pitié pour ce petit. Et là, nous prenons un deuxième hadith pour comprendre. Sa un bout dans sa pitié qui rentre dans l'équerre un maman là. Après la guerre, une fois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec ce man sahaba, bien assisé. Je trouve un maman, il perdit ses enfants. Un maman, il perdit ses enfants après elle la guerre. Imagine, faire vision sa maman là, là. Comment il était, qui halet il était sa maman là. Après elle la guerre, il perdit ses enfants là. Peut-être les enfants là, mort, peut-être l'ennemi capture lui, peut-être l'une blessé, l'une tombé par là. Madame là, il a affolé, il a crié, pleuré, il a rôdé ses enfants. Effectivement, les récits gagnent ses enfants là. Imagine sa maman là, c'était après qu'il ait perdu ses enfants, il gagne ses enfants. Mais qu'il fait sa vision là. Madame là, il a les enfants là. Il fait gâter avec lui. L'une de lui dit avec lui même pour lui boire, il a l'être lui. Tout de suite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit avec son sahaba. Est-ce que je pensais qu'il sa madame là, il a courage pour être ses enfants dans différents. Bien sûr que non, ya Rasulallah. Comment sa maman là, vous capable, après qu'il nous fait témoigner, ça l'affection, ça l'amour là, comment elle est capable de prendre ses enfants et d'en différer? Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah il a beaucoup plus pitié pour ce serviteur qui pitié que sa maman là. Il a. Sa maman là, il a un bout dans sa haine pitié là, et la maman là, il a sali. 99 là-dedans, Allah Ta'ala fait une réserve pour ce bon serviteur au Qiyam. 99, Allah fait une réserve pour un musulman, pour un imandar au Qiyam. Quatrième, Allah Subhanahu wa Ta'ala donne nous l'autre. Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Iman kena iman. Faire un tauba sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire ça, un tauba sincère? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'iftar là, non? Inna l'abda idha a'tarafa bidhanbihi thumma taba taba Allahu alayhi. Un serviteur quand il reconnaît ce péché. Un serviteur quand il fait reconnaître qu'il fait faire péché, veut dire il s'agrave, il regrette. Ensuite, il dit mal Allah pardon, Allah pardonne. Donc, première condition, un tauba sincère, c'est qu'il nous s'agrave, nous regrette pour péché qu'il nous fait faire. Et non pas, et même un petit monde comme ça, tu connais qui m'a quitté la vie, mon ami, moi? Tu connais qui a été fracas, mon frère? Mon film cigarette, mon film masse, mon drogué, mon fait ça, mon fait ça. Assez, alhamdulillah, une chance. Les temps, non, je ne vais pas dire mon fait ça, là, je vais raconter une histoire. Là. Les temps, si mon là, peut raconter mon fait ça, mon fait ça. Comment dire, il peut redonner la ligne. Il peut gagner un rôle, là, il peut montrer, il y a une zoom, là. Toi, tu te fais, toi, moi, mon fait ça. Ça, papa, il dit mon là, il s'agrin. Ou mal péché qu'il y fait faire. Pas appel du monde là, il regrette ou mal péché qu'il y fait faire. Tout le monde fait péché. Si un du monde vraiment il s'agrande, il fait un péché, il ne faudrait pas lui raconter ce qu'il y fait faire d'une façon pour tirer le nez, pour tirer grandir. Non. Non. Surtout qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu yughfaru lahu. Tout le monde a l'a pardonné. Illa al-mujahirin. Et la différence entre muhajirin. Muhajirin, man qui fait hijra. Il quitte un endroit quand il y a une difficulté pour pratiquer l'islam.
ou dans l'endroit où tu as une facilité pour pratiquer l'islam. Ça, c'est bien quelque chose qui est noble. Tandis que les moudjahirin, différence entre moudjahirin et moudjahirin, les moudjahirin, c'est les gens qui finissent faire péché en secret, en cachette. Personne ne m'a trouvé. À l'un de cachette, je péché. C'est moi qui arrivé. Lendemain, je viens de te raconter qui péché je ne fais. Ou bien, les gens qui font péché en public. Ça, les gens-là, Allah n'a pas peur de Dieu. Donc, nous bisons ressentir un chagrin au plus profond de nous, un regret. Et quand nous chagrin, nous faisons quelque chose, quand nous regrettons, nous ne racontons pas ni du monde. Deuxièmement, nous prenons une décision ferme qui nous peut arrêter avec sa péché. Prenons une décision ferme. Et non pas, par exemple, dans samedi, après Maghrib, soit après Isha, je suis habitué sur un groupe sans camarades, je fais un péché particulier avec eux. Si pas assister qui est un film ensemble, fumer une cigarette ensemble, etc. Le temps arrive dimanche matin, je suis sagrin hier soir, je fais tel péché. Mais seulement en même temps que je fais sagrin, en même temps que je dis Wallah, je fais ce péché là, pardonne-moi Wallah. Je vais attendre quand le samedi vini pour me refaire mes péchés. Ou bien je vais mettre plan 1. Et le samedi, un peu plus bonnet, hein. Comment la mazé, j'ai fini, de mazit même, non, elle n'a pas besoin de la case non. Je vais faire un plan pour faire un péché là. Non. Je vais prendre une décision ferme pour arrêter un péché là. Et troisième condition, je demande à Allah pardon avec sincérité. Juste pour faire la plaisir. Pas pour montrer l'idée du monde. Pas pour gagner le nez avec rôle avec du monde. Non. Pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Cinquième petite chose. Quand nous arrivons à faire un péché, frère, en l'islam, nous demandons à Allah pardon. Deuxièmement, après que nous disons Allah pardon, nous faisons une bonne action. Nous faisons une bonne action pour couvrir sa péché là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa akbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha. Quand je finis faire un péché, fais une bonne action tout de suite après lui, sa bonne action là pour effacer sa péché là. Sa bonne action là, lui pour effacer sa péché là. Un petit monde, par exemple, il a acheté une boîte de cigarettes, descend au pied d'une dépense pour acheter une boîte de cigarettes. Un péché qu'il finit de faire. Il dit, voilà, là, pardon, voilà, mon dépense casse. Parce que quand un petit monde fume, il a deux péchés qu'il fait. Un, il peut fumer, il peut détruire lui-même. Deuxième, il peut gaspiller sur l'argent. Parce que chaque sou qui nous gagne, nous avons besoin de dire, voilà, on raconte avec Allah, comment nous gagnons, comment nous dépensons. Et troisième, quand Dimoun peut fumer, troisième PC, c'est dans Dimoun dans ce genre environ, il peut affecter ce Dimoun là aussi. Donc, fait moi dire, on a 5 boîtes de cigarettes. Bon, tu vas dans la porte. Un exemple, c'est, bon, dépense des 100 roupies dans mauvais chemin. Bon, prends des 100 roupies, moi, de dans Dimoun misère à manger, par exemple. Bon, viens couler dans boîte mazit, par exemple. Bon, un exemple, ça. Bon, fait une bonne action pour couvrir sa mauvaise action là. Et sixièmement, si je fin commettre un péché qui est en rapport avec le droit du monde, il y a des cas qui ont été péché. Un péché qui concerne moi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il concerne moi avec Allah. Par exemple, un démon qui boit l'alcool, un démon qui drogue, un démon qui fume. Elle a accordé avec Allah. Mais un démon coquin. Un djimoun il maltraite un autre djimoun. L'in fait ribat. L'in bat un djimoun. L'in joue un djimoun. Là, il a, premièrement, droit à Allah. Deuxièmement, droit à sa djimoun là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître un hadith qui est connu comme hadith mouflis. Qui veut dire un mouflis? Rasulullah alayhi wa sallam, les djimoun avec ce man sahaba. Mais le mouflis ou indakoum, qui sont là qui sont considérés comme un mouflis qu'on dit? Ben là, c'est Rasulallah, un mouflis, c'est lui qui paye un dinar ni dirham. Un djimoun qui ne fait faillite net, il ne l'a pas, il paye un dinar. Rasulallah alayhi wa sallam dit qu'un mouflis, c'est celui qui vient au qiyam avec montagne salat, montagne zakat, montagne siyam, un pilier de l'islam. Mais seulement il bat san lala, il maltraite san lala, il fait ribat l'autre lala, il prend haq san lala. Zoukriyama, comment vous raquitez ça? Vous prenez sa dimoun là, sur une bonne action,
son montagne nama, son montagne siam, son montagne zakat, pour donner sa bande du monde qui dit une prose de hakla, finalement, il paraît n'a rien bon action. Et si ce mot action est fini, pour prendre mauvaise action, ça va dire là, pour mettre l'eau sur compte. Donc, dans l'unia même, nous visons finir rakit sa main droit là. Par exemple, moi, je m'entraîne dans du monde. Dans l'unia même, je dis ma esquise. Pas prendre lui comme un déjeuner. C'est lui qui humilie lui-même à cause d'Allah, Allah pour honorer lui. Un jour, quand il m'oublie, il le nez. Pas prendre lui comme un déjeuner. Lève un téléphone, allez soin de lui, frère. Sorry, ça que je fais là, pas bon. Si je fais ça en public, dis-moi l'esquisse en public. Mon coquin sur hack, mon coquin sur l'argent, allez retourner l'argent là. Si je peux trouver les bouts difficiles pour retourner ça l'argent là, je peux figure pas le montrer. Trouve un moyen quand je me donne le casse là. Ou bien donner un soin d'accord. Donner un soin d'accord, valier sa cassasse, par exemple, si vous avez un finimo. Comment on va retourner ça? Donner un soin d'accord, valer sa casse avec l'intention qui dit moun la gagne sa récompense là. Dis moun la pardon pour ça dit moun qui m'a fait prendre ce hack là. Avec l'intention qui Allah Ta'ala capable de pardonner moi et aussi mon rakit, sa hack qui m'a fait prendre avec sa dit moun. Donc, frère l'islam, c'est en l'islam. Pénachère là, non? Frère l'islam, c'est en l'islam. À Taouba, le pardon. C'est un grand ribada. Et c'est une nécessité. Tous les jours, dans la vie d'un mu'min, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ayyuhan nas, toubou ilallah. Et ben, dis-moi Allah pardon. Dis-moi Allah pardon. Fa inni atoubou ilallah fil yawmi miyat marra. Certainement, moi, dis-moi Allah pardon. Dans un jour, plus qu'il s'en faut. Plus qu'il s'en faut. Et quel est l'avantage qu'il y a quand on dit, dis-moi Allah pardon. Nous connaissons, il y a des gens quand ils sont en colère, arrivé ça, il y a des gens quand ils sont en colère, ils font mal quelque chose, ou bien ils disent mal quelque chose, qu'ils peinent à contrôle. Après, là, qui m'a dit, tu connais, tu as déjà telles affaires? Vrai, pas contre du tout. C'est quand ils sont en colère. Il y a des gens quand ils sont en colère, ils tapent sur la tête depuis leur miraille. Après, ils disent, tu es en colère, ils font ça. Mais si nous disons, il y a des gens dans contentement, ils disent quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils disent. Si tu es content, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam raconte nous une histoire que un dimoun peut voyager dans le désir avec ce sabot. Il est dans le désir, là, dire, quand il peut dire dans le désir, Maurice n'est pas capable d'imaginer parce que Maurice est petit. Nous avons 15-20 minutes, nous finissons à la case dimoun. Désir, après, il n'y a rien tout autour. Il a dit ce sabot qui est dans ce provision, là, il peut manger, il peut aller se manger, boire ce sabot. Il reposait, dit mon là, mais quand il levait, sa mot et sa provision, tout disparaît. Tout disparaît, il a. Il a dit la mot, là. Dit mon là, il n'y a pas de la mot, il n'y a pas de la mot, il n'y a pas de la mot. Mais quand dit mon là, Redomi, quand il relevait, il trouve ce sa mot, il retourne tout ce man provision, là. Si dans sa dit mon là, il est content, il peut remercier Allah, il dit, oh Allah! Moi, je te robe, toi, tu me serviteur. Si dans l'incontent, il n'y a pas connu ce qu'il peut dire. Les dans l'indien, ça, Allah t'a rié. Allah subhanahu wa ta'ala rié. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un serviteur fait un péché, ensuite il dit, man Allah pardon, Allah plus content qui sa serviteur là, fin content. Là, nous, dans le mois de Ramadan, nous avons par exemple dans l'iftar, un lien que doit accepter. Série, troisième tiers la nuit. Elle l'air que Allah subhanahu wa ta'ala peut demander. Que ça l'a peut demander moi pour donner je. Que ça l'a peut demander moi pardon moi pour pardonner je. Elle moi que nous peut garder rosa. Nous peut faire un ibadat qui peut rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui plus joli encore dans sa moi là, nous dit mal Allah pardon. Dans sa moi là, Allah compte en nous. Plus qu'il s'inviter qu'il retrouve ce samou là. Donc nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide nous pour un serviteur qui, à chaque fois qu'il nous fait une désobéissance, qu'il soit petit ou bien grand, nous demandons pardon avec sincérité. Que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous de mon péché qui nous fait faire, mon péché qui nous a encore imaginé, mon péché qui nous fait oublier. Que Allah guide nous pour nous retourner dans le monde qui nous fait prendre ce haq, nous retourner ce haq.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous joindre l'île au Qiyama avec un dossier qui est propre, sans aucune trace, poison, péché dans nous les kéas. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.